une maison avec un grand jardin. Tu te surprends parfois? Jamais. J'ai juste envie de te foutre une branle. C'est justement ça qui m'excite. Branle-moi. Je me demande ce que tu veux vraiment. Tu veux me sauter? Tu préfères pas que je te taille une pipe? Si tu veux. De toute façon, les mecs, c'est tous des porcs. Et attends, ils oublient qu'on baisse pas sur commande. Une fois que t'auras joué, je pourrais t'apporter une bière aussi. Non, le truc, c'est que les mecs, ils sont très très intéressants, mais seulement de 22h à minuit. Le mec, il m'a raconté des trucs pendant qu'on baisait. Ça m'a trop excité. Ouais, il t'a fait mouiller. Ah ouais, des trucs comme quoi? Bah, il imaginait avec un autre mec ou que je me faisais payer pour baiser. Non, mais les mecs, eux, ils savent très bien expliquer que le plaisir n'a rien à voir avec l'amour. Le truc, c'est que tu me fais bander. C'est quoi, hier, Alisa m'a fait un plan de ouf. Elle montre qu'il y a moyen. Et me tais-je? Ils nous baissent comme si on leur appartenait. Ouais, cherche pas à comprendre. C'est vrai. T'as jamais eu envie de baiser comme ça, juste pour le plaisir? J'ai pas mis de culotte! Qu'est-ce que tu racontes? Elle est partie avec un type. Tu veux un petit cadeau? Cécile, tu es dingue. Pas trop long, ok? Mais c'est eux que je veux rendre dingue, moi. Bon, vous êtes prêtes? Ils nous attendent. À nous de choisir, maintenant. J'avais l'impression que mon corps attendait ça depuis tellement longtemps. Je t'explique. Mon cul, j'en fais ce que je veux. Non, c'est moi qui t'explique. Espèce de grosse merde. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir.